Bonjour. Bonjour Jackie et bonjour à tous nos amis téléspectateurs sur YouTube. Nous sommes en direct, comme vous le constatez, de cette charmante commune du Nord Finistère qui est Plouvorne. Et Jackie, Plouvorne, le fief d'un monument du Stade Brestois, Monsieur Yvon Leroux. Oui, qui va donner le coup d'envoi. On aura l'occasion de revenir, mais saluons déjà le drone mis en place par Stéphane Gaouillère. Arwen et Richard Koz, hein, qui sont la technique et les images de ce match. Et nous vous les reprenons en direct sur YouTube. Exactement, voilà. une grande première pour ces matchs de préparation du Stade Brestois 29. Des matchs de préparation, en l'occurrence le deuxième, mon cher Jackie, après des débuts plutôt convaincants. Il y a une semaine entre le Stade Brestois et Avranches, avec cette victoire 2-0. Complètement, parce que on sait bien que lorsque commencent les préparations, il y a beaucoup de travail physique et que souvent les premiers matchs ne sont pas les mieux parce que les joueurs parfois ressentent une certaine fatigue et qui sont en première préparation. Bon, après c'était Avranches aussi, mais une équipe qui donne toujours du fil à retordre. Aujourd'hui, c'est un étage au-dessus, puisqu'en l'occurrence, c'est Concarneau. C'est l'US Concarnoise. Alors, vous faites bien de le préciser, mon cher Jackie, un étage au-dessus, puisque Concarneau a décroché la timbale au terme de la fin, du bout de la dernière journée et de la dernière minute. Hein. Se rappelle de ce match épique qui a permis aux Thoniers de décrocher leur place et leur billet pour la Ligue 2. Et donc, c'est une nouvelle équipe concarnoise qui va donc découvrir la Ligue 2 et découvrir le Stade Brestois 29 dans sa nouvelle mouture à l'occasion de ce match amical ici au Stade Guy de Réal. Un stade qui va faire le plein hein, puisqu'on attend 2000 spectateurs à peu oui, près. Oui, c'est 2000 spectateurs parce que c'est la jauge. Jauge maximum. En discutant avec Maxime Guilherme tout à l'heure, le président de Plouvorne, ils avaient vendu entre 1650 et 1700 billets avant le match. Donc très certainement que tout le monde n'a pas acheté son billet avant le match et que le stade sera plein. Ici, c'est beau de faire 2000 personnes comme ça dans un... Quand je dis un petit club, c'est pas du tout péjoratif, hein, parce qu'ils jouent en R1. Oui. Mais voilà, c'est une très bonne jauge. Et puis, on a affaire à des... Ici, à Plouvorne, des connaisseurs du football, avec ce club, l'Avant-Garde, hein, qui a aussi toute une histoire, qui a brillé certaines fois aussi en Coupe de France. Voilà, pas l'oublier, des très belles rencontres ici. On rappelle un match contre Bastia, perdu au pénalty. Oui. Et ici, on est, comme tu le disais, Jackie, hein, dans un fief du football. D'ailleurs, on a rencontré tout à l'heure une des légendes du stade, mais qui était à l'entrée des vestiaires tout à l'heure, en la personne de Loulou Floch. Oui, alors, la jeune génération ne le connaît peut-être pas, mais Loulou Floch, de son vrai nom, Louis, originaire de Saint-Paul-de-Léon, avait fait le bonheur de Rennes. C'était un ailier droit, comme on y avait à l'époque, hein, qui était très, très rapide. Avant d'être au Paris FC, il a fait une grande carrière, Monaco, l'équipe de France, voilà, avant d'arriver au Stade Brestois. Et l'année où Brest remonte en Ligue 1 avec Serge Lenoir, Raymond Kérusoré, toute cette armada de Bretons qui ont écrit la première page de l'histoire du Stade Brestois de l'époque, entraîné par Alain de Martigny et Yvon Leroux, dont on parlait tout à l'heure, qui va donner le coup d'envoi de ce match. Tout à fait. Et tant qu'on est à parler des Flocs, on remercie Dédé Floch, l'adjoint au sport de la commune de Plouvorne, pour nous avoir vraiment installé dans les conditions optimales hein, pour la retransmission de ce match. Oui, surtout parce que la tribune n'est pas très haute et puis elle est pleine. Donc il n'y a pas de place pour mettre la caméra. Et du coup, c'est Richard Koz qui se trouve en haut de sa nacelle. Bon, il y a un peu de vent. J'espère qu'il va bien rester en place, notre ami Richard. Voilà, mais en tous les cas, merci. Et merci aussi à notre figure historique, Ronan Fanch-Larvor. Ah, tout à fait. Le monument classé historique de l'AG Plouvorne, Fanch-Larvor, que les amateurs de cyclisme reconnaîtront bien évidemment, puisqu'il est également motard et ardoisier sur de nombreuses courses, à commencer par tout récemment. Il revient du Tour des Deux-Sèvres, mais il était également sur l'Essor Breton. Revenons à des choses plus prosaïques.
mosaïque, mon cher Jackie, avec l'US Concarneau. On va rapidement faire un petit tour d'horizon de nos amis concarnois. Une équipe de Concarneau qui, pour l'instant, n'a enregistré que deux renforts, mais on sait, et l'entraîneur, hein, Stéphane Le Mignan, l'a signalé, qu'ils attendent plusieurs joueurs. On estime entre au minimum 4 à 6 renforts dans les jours à venir. Oui, mais à signaler quand même que quelle est la difficulté pour Concarneau. Concarneau était en national. Ils avaient un budget d'environ 2 millions peut-être d'euros l'année dernière. Et surtout cette année qu'un budget de 6,5 millions. Ils vont jouer le maintien. S'ils ne se maintiennent pas, ce qu'on leur souhaite bien sûr de tout cœur, ils vont redescendre avec un budget pratiquement 3 fois moindre. Donc c'est compliqué de faire signer des joueurs pour un an, sauf des prêts, donc sur une période de 2-3 ans. On a une des difficultés, entre autres, de recrutement de Concarneau. Et puis l'autre difficulté qu'ils vont avoir, c'est que leur stade, qui n'est pas aux normes de la Ligue 2, va subir des travaux et ils ne pourront pas l'utiliser cette année. Et donc ils vont jouer alternativement à Brest, à Guingamp, à Lorient. Oui. Il y aura notamment un premier match à Brest, ce sera le samedi 19 août à 19h, où ils recevront Caen. Et qui est à Caen comme entraîneur? Eh ben, c'est notre ami Jean-Marc Furlan que voilà. L'on aura grand plaisir. À retrouver. Et également, puisque tu l'évoques, Jackie, vite fait, cette équipe de Caen, elle vient d'enregistrer la signature d'un Tizèf qu'on connaît bien, Mathias Autrette. Voilà, qui fait partie de l'écurie, on va dire, de Jean-Marc Furlan, sans mauvais jeu de mots. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, un dernier mot. Il va retrouver son beau-frère, Valentin Henry, qui était à Sochaux, qui vient de signer à Caen. Exactement. Le monde est petit et le football est une grande famille. Vont entrer sur le terrain sans tarder. Les ramasseurs de balles d'abord. Les ramasseurs de balles et les deux équipes. Rapidement, pour vous dire que l'US Concarnoise a donc enregistré la signature d'un attaquant qui s'appelle Isaac Matondo, qui arrive des Herbiers et surtout qui a été formé au Stade Rennais, ce qui est quand même un gage de recrutement pour l'USC. Et également le gardien de but qui était le numéro 2 en Ligue 2 à Grenoble, Esteban Sall. On va revoir cet après-midi à l'essai Baptiste Moisan. Baptiste Moisan qui arrive de Nancy et qui a fait un excellent premier match avec Concarneau puisqu'il était l'auteur d'une passe décisive. Alors, à la tête de l'attaque concarnoise, mon cher Jackie, on va découvrir cet attaquant incroyable qui est Fadel Koumisti. Toujours à Concarneau. Hein. Toujours à Concarneau, on est toujours à Concarneau avec ce buteur qui, sur les deux premiers matchs de Concarneau, on le rappelle, hein, contre Lorient, match nul 3-3, 3 buts de El Koumisti. Match nul contre Rennes 1-1, nouveau but de El Koumisti. On va avoir un des grands artisans de la montée, un buteur patenté comme on les aime du côté de Concarneau avec cette équipe qui évolue traditionnellement en 4-4-2, ce que nous allons découvrir. Voici donc la composition des équipes avec le Stade Brestois emmené par son capitaine. On va parler des nouvelles recrues de bord du Stade Brestois. Tout à fait. Et si vous voulez, si on peut effectivement découvrir qu'aux côtés des joueurs qui étaient là précédemment, on a quelques nouvelles têtes. Alors on a déjà des joueurs qui reviennent, comme Géré Hironen, qui avait été prêté la saison dernière. Kenny Lala était là. Mais il vient de re-signer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très, prêté, très bien. Hein. Il était prêté l'année dernière. Un retour aussi au club de Martin Satriano, qui lui était reparti en Italie, jouant Empoli la saison dernière, et qui appartient à l'Inter de Milan. Et alors, un Concarnois qui revient à Brest, qui était prêté, Axel Camblan. Effectivement. Voilà. Et puis, retour aussi de Nyangenbok, qui avait été prêté à Caen et qui revient donc à Brest. Et surtout une signature là, qui est arrivée cette semaine, celle de Jonas Martin. Alors ça, Jackie, tu vas pouvoir nous disserter un peu sur ce joueur qui est vraiment un super choix pour le Stade Brestois. Le type de joueur que, voilà,
qu'on aime du côté de Brest, puisque c'est quelqu'un qui a envie de se relancer, qui a envie de donner un nouveau coup de fouet à sa carrière. Oui, Jonas Martin était l'année dernière à Lille, il a 33 ans. Bon, il a fait effectivement une quinzaine de matchs, mais la concurrence là-bas à Lille est quand même très forte. Et il a quand même joué à Rennes, 29 matchs, Strasbourg, donc il a une grosse expérience de la Ligue 1. Et c'est un joueur qui correspond parfaitement aux critères que Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club, aime. Et c'est pour ça qu'il a été recruté. Et c'est un très très bon recrutement. Alors on va assister au coup d'envoi, on l'a dit au début de cet enregistrement, si vous étiez là. Il va être donné par l'enfant du pays, le colosse de Plouvorne. Le colosse de Plouvorne. Comme on l'appelle à l'époque, Yvon Leroux. Yvon Leroux qui a commencé à jouer, il avait 17 ans, sous la houlette de Alain de Martini. L'année de la montée en Ligue 1, d'ailleurs, il va marquer un des buts contre Lens, le fameux match de la montée. Les anciens Brestois se souviennent tous de ce match. Exactement. Où il y avait 20 000 personnes et 5 000 qui ne voyaient rien. Voilà, parce qu'il n'y a même pas la tribune Foucault à ce moment-là, elle est arrivée qu'après. Et Yvon Leroux a fait une carrière exceptionnelle, puisqu'il a comme été à Monaco, à Nantes, à Marseille, au Paris Saint-Germain. Et en équipe de France. Voilà. Et en équipe de France, quand il joue son premier match, c'était contre la Yougoslavie, tout jeune qu'il était, et il marque le seul but de la victoire de la France contre la Yougoslavie, qui était une des bêtes noires de l'équipe de France de l'époque. Et c'est sympa, Jackie, de mettre ce coup de projecteur sur Yvon Leroux, qui est vraiment... Voilà, qu'on voit ici. Oui, voilà, c'est lui qui va donner le coup d'envoi, qui est vraiment l'anti-star par excellence. Ah ouais. C'est le type humble, oui, sympa, et puis... avec un CV long comme le bras, comme tu viens de le dire, comme tu viens de le rappeler, mais... d'une humilité incroyable, d'un abord facile. Et d'ailleurs, les supporters et les gens qui sont régulièrement au stade Francis Leblay côtoient Yvon Leroux et peuvent en attester. Oui, il travaille d'ailleurs au club aujourd'hui, où il est un peu le représentant, il accueille les équipes adverses, il est 2-3 fois par semaine dans l'entraînement, Eric Roy discute avec lui. Bon, voilà, un glorieux ancien qui a toujours dit, malgré les clubs qu'il a fait, le club où j'ai vécu les plus grandes émotions, c'est le Stade Brestois. Et c'est parti, Jackie, pour ce deuxième match de préparation du Stade Brestois, le troisième pour Concarneau. Le match qui vient de démarrer donc, avec une foule, on a dit, près de 2000 spectateurs autour des mains courantes de l'AG Plouvorne, avec immédiatement le ballon entre les mains de l'arrière-défense brestoise. Une défense et d'ailleurs un 11 de départ assez classique et qui sera probablement proche de celui que l'on verra toute la saison, Jackie, avec on est ravis de le retrouver, notre recrue uruguayenne, Martin Satriano. Exactement. Qui revient pour un nouveau prêt. Attention à cette montée sur le côté gauche de Jéré Uronen. Oui, Martin Satriano, qui était donc arrivé il y a un an et demi, prêté au match retour. Le Goyen qui vient de Montevideo, appartenant à l'Inter de Milan. C'est quand même pas n'importe quel club. Qui avait donc fait 15 matchs et marqué 4 buts. Voilà. Puis les supporters et les gens qui suivent le football s'en souviennent très très bien. Il était Empoli la saison dernière où il a fait 31 matchs avec 2 buts. Voilà. Et c'est un vrai buteur. Et c'est un niaqueur, c'est un combattant. C'est pour ça qu'il avait séduit les supporters brestois. C'est par sa niaque, par son envie. Oui. C'est quelqu'un qui est sans arrêt, qui est en permanence actif, prêt et pas très loin de la surface. C'est vraiment un attaquant moderne comme on les aime. Et quand il avait joué à l'Inter de Primavera, 37 matchs, 16 buts. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio. On retrouve le Stade Brestois avec son capitaine Brendan Chardonnay. Ce qui est bien aussi, Ronan, c'est que quand tu es étranger, que tu arrives, quel que soit le niveau que tu as, il faut 3-4 mois pour s'adapter. Comme il a déjà fait une moitié de saison ici, son adaptation sera très certainement facilitée. Et on découvre cette formation concarnoise avec les premières offensives du Stade Brestois 29.
Alors, pour les amateurs de football et qui ne seraient pas des supporters avertis, Jackie, on va préciser quand même que Brest joue en rouge. Oui, c'est vrai. Et que Concarneau joue en bleu. On avait omis de le signaler au coup d'envoi. Je pense quand même, Ronan, que bon, le slogan du club, c'est la marée rouge. Absolument. Donc, mais beaucoup le savent. Beaucoup le savent, mais tous nos téléspectateurs ne sont pas forcément des aficionados du Stade Brestois ou de l'US Concarneau. Donc on rappelle donc un Stade Brestois dans ses rouges couleurs fidèles à l'image du club et des couleurs qu'il porte haut depuis fort longtemps. Et le Stade Brestois, ben, pour l'instant, on est dans un round d'observation. Oui, parce que le rythme n'est pas très élevé. Hein. Si je puis dire, avec une température un peu mitigée ici sur... Oui, alors pour ceux qui sont ailleurs en France et qui nous écoutent, la canicule n'est pas là aujourd'hui, ni même trop dans les jours précédents. Voilà, et puis on a eu tout à l'heure, quand on quittait Brest, il y avait un tout petit crachin. Attention à cette contre-attaque avec Satriano sur le côté droit, centre, et un centre qui ne trouve pas de destinataire malgré cette montée. Et contré par Uronen. Tout à fait, cette montée du Ronen qui est venu au contact. Le Stade Brestois qui joue très haut en ce début de match et qui récupère le ballon sur le côté. Simonnier. Attention à cette remise hasardeuse qui profite et qui finalement ne profite pas à Concarneau. Le ballon est récupéré par Concarneau qui effectivement est plus replié que les Brestois. On tient à Concarneau que l'entraîneur, c'est Stéphane Mignon, qui sait faire des fois avec peu de moyens, comme il a fait avec Vannes, quand il était à Vannes. Et donc, président de l'époque était Michel Justin, l'ancien président du Stade Brestois. Pas oublier qu'ils sont nés en finale de la Coupe de la Ligue, malgré tout. Ce que Brest n'a jamais fait, aller dans une finale de Coupe de Ligue ou Coupe de France. Ah, la Coupe de la Ligue, c'était vraiment le chat noir du Stade Brestois. On a dû passer qu'un tour, deux ou trois fois dans les vingtaines d'éditions qu'il y a eu, effectivement. Allez, le ballon dans les pieds de Marco Bizon. Alors, Jackie, outre les recrues dont on a parlé, une chose importante, il y avait aussi des joueurs clés, des joueurs majeurs qu'il était important de conserver. Et on pense parmi eux à Marco Bizot, qui naturellement a été l'un des grands artisans du maintien du Stade Brestois l'an passé en première division. Complètement, et Marco Bizot est toujours là, il lui reste un contrat d'un an. Voilà, et effectivement... il fallait pouvoir le conserver, ça c'était des points importants, des points que voulait Éric Roy, le nouvel entraîneur qui est arrivé donc au mois de janvier. En janvier dernier, voilà, tout à fait. Et qui avait une tâche très très difficile, puisque à ce moment-là, les Brestois étaient plus partis pour descendre que pour rester. Même si l'intérim après Michel Dazakarian avec Julien Lachuer et Bruno Grougy commençait à bien se passer, il est arrivé au bon moment, sans adjoint, et il a su parfaitement s'adapter. Et un petit peu le temps d'adaptation, beaucoup de blessés. Il y a eu 7-8 blessés aussi pendant une série de matchs. Et les 10 derniers matchs du Stade Brestois, on fait que Brest était monté haut au classement et s'est maintenu grâce à ça. Attention à cette attaque de l'US Concarnoise avec El Koumisti, justement, dont on parlait en préambule tout à l'heure, le buteur patenté de l'USC et le ballon qui est remis en corner. Par Bernard Chardonnay, premier corner de la partie en faveur des Tauniers. Oui, puis on revoit aussi Brendan Chardonnay, on le connaît Brendan, il est là au club depuis ses 13 ans. Mais pas oublier qu'il a été blessé 2 mois et demi l'année dernière et que justement sa rentrée à 10 matchs sur la fin correspond avec la bonne défense, que l'équipe de Rennes n'a encaissé que 8 buts sur les 10 derniers matchs. On suit ce corner bien dégagé par Marco Bizot. Oula. À nouveau contré. À l'entrée des 18 mètres, Monsieur Beneteau, l'arbitre central, ne dit rien sur ce contre-brestois. Un nouveau centre en retrait pour Filippono qui redouble. Attention à ce débordement. Bien joué. Et c'est dégagé à nouveau avec Hugo Magnetti. Voilà, et le Stade Brestois qui se donne un peu d'air là sur ce ballon dégagé en touche. Une
un petit coup de pression là, de Concarneau qui met, oui. qui met un peu à l'épreuve l'arrière-défense brestoise. Et en particulier, oula, oui. Voilà, à nouveau, ce dégagement de Brendan Chardonnay. Oui, parce que Marco Bizot était sorti, mais l'action pouvait être dangereuse sur cette percée concarnoise. Allez, attention, c'est toujours Concarneau qui a le ballon et qui renverse le jeu. Avec Georgène qui rebalance derrière pour 5-1. Voilà. Figure aussi du Concarneau. Absolument, et on construit à nouveau du côté de Concarneau. Voilà, avec seul. Ce départ sur l'aile droite d'El Comisti. Oh, ah là, qui passe juste à côté. Ouh là là, eh bien, au ras du poteau là, de, oui, d'El Comisti. Fad El Comisti qui justifie sa bonne forme du moment. Tout à l'heure, voilà. Hein, effectivement.
que les souvenirs sont là. Oui, donc je disais pour le match Brest-Lens, donc il ne sera pas le dimanche à 15h, c'est une certitude. Il peut avoir lieu le vendredi à 21h, le samedi à 17h, à 21h, le dimanche à 13h, au dimanche soir à 17h ou à 21h. Donc faites votre choix. Oui, oui. Donc on le saura normalement aux alentours du 25, donc relativement rapidement. Mais d'ici là, mon cher Jackie, le Stade Brestois aura deux autres matchs de préparation, puisque mercredi prochain, eh bien, les stadistes vont se déplacer du côté de Dinan pour y affronter le Stade Rennais. Tout à fait. Là où même l'année dernière, à la même époque, ils avaient affronté à Dinan le SCO d'Angers. Et puis, samedi prochain, eh bien, ça sera à Guingamp. Ben voilà, on va retrouver un derby. Où le Stade Brestois affrontera qui vous savez. Avant de retrouver, eh bien, une semaine après au Stade Francis Leblé, eh bien, on l'a su il y a quelques jours, hein, ça sera l'équipe italienne de Cagliari. Tout à fait. Qui viendra terminer la tournée des matchs amicaux du Stade Brestois une semaine avant l'ouverture du championnat avec Pierre Lesmelou qui est qui tarde à retrouver à ça a l'air d'aller là. Ses esprits, mais c'est vrai qu'il a été bien sonné. Alors, on rappelle, Jackie, juste parce que notre incrustation met Stade Brestois 1, USC 0. Ah oui, effectivement. Il y a un but partout. Hein, oui. Pour tous ceux qui suivent le match, eh bien. Oui, en fait, Stéphane Guerrier qui avait réglé le problème technique et n'a peut-être pas suivi le match pendant ce temps-là. Voilà, eh bien, il nous entend. Il nous a entendu. Et il est tout à fait excusé. Tout à fait. On est à 33e minute, hein, le temps commence à passer un petit peu quand même, même s'il n'y a pas un gros rythme dans ce match. Et bon. Pierre Lesmelou qui quand même regagne le banc, qui a l'air un peu, ouais. Alors un peu touché quand même. Oui, ben, visiblement. Je crois que c'est Achraf Dari qui est parti trottiner. Oui, alors de toute façon, comme il est blessé, il doit sortir pour pouvoir rentrer. C'est de toute manière la règle. Le voilà d'ailleurs qui retrouve le terrain avec Concarneau qui a maintenant le ballon dans sa moitié de terrain sur cette montée des stadistes. Attention, le gardien qui trouve du côté du milieu de terrain le buteur patenté de l'USC. Voilà que l'on retrouve ici, balle au pied, attention, Fadel Camousti, très rapide, qui croise bien. Oh, bien revenu. Et une excellente interception là, signée de Pierre Lesmelou, qui a donc retrouvé tous ses esprits. Et qui a trouvé Martin Satriano sur le côté gauche. Satriano qui bouge beaucoup hein, sur le front de l'attaque. Pour tenter d'offrir des possibilités à son milieu de terrain. Mais là, le ballon qui est récupéré par Concarneau. Et la touche sera en faveur de Concarneau. Concarnoise. Tout à fait. Indiqué par l'arbitre, Madame Marat Pansard, qui est donc sur ce côté-là. Une jeune arbitre. Et. Brendan Chardonnay qui a fait un peu de ménage avant de. Oui. Oui, il faut montrer qu'il est là. Montrer voilà. Qu'il est là. Voilà. Voilà. Il a marqué le territoire. Brendan Chardonnay qui a pris une véritable dimension, Jackie. Oui, c'est le capitaine déjà, il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, Ola. Attention. Non, ça va être trop loin pour le ballon. Un tout petit peu trop loin. Et c'était bien joué en tous les cas, parce qu'il y avait une belle percée. Il n'était pas hors jeu au moment où il est parti. Allez, Pierre Lesmelou qui se fait accrocher. Ouais, et là, il y a coup franc, là. Sans discussion. On est à la 35e. Donc, toujours un partout. Toujours un partout. Et toujours un match qui s'est équilibré, on peut le dire. Après, attention à cette attaque menée par Martin Sartiano. Ah non. Magnifique intervention du gardien concarnois. Dommage parce que il y avait en retrait.
on ne voit pas toujours tout le terrain des gens qui passent devant nous, même si on a un écran de contrôle. Mais bon, encore une fois, remercions les dirigeants et l'agent maire de Plouvent de nous avoir permis de quand même de nous mettre en condition pour pouvoir vous présenter ce match. Avec Lilian Brassier ici qui est à la tâche, bien aidé par son capitaine, et Steve Mounier qui dégage, qui détourne en tout cas et qui cherche sur cette balle Mathias Pereira-Lage, mais le ballon va en touche et Concarneau récupère la possession. Dégagement du gardien. Oh là ! Nouvelle intervention. Intervention de Brassier, bon, elle était... Bon, elle... Est-ce que sifflé par Romain Beneteau et Concarneau qui récupère le ballon et qui remet l'ouvrage sur le métier avec... cette montée de Brendan Chardonnay, viril également. C'est pas le métier sur l'ouvrage, quand t'as dit l'ouvrage sur le métier. Voilà. Allez. Merci à nouveau. Un très bon retour de Jerry Ronen. Alors Jackie, toi qui es dans le secret des dieux, Jerry Ronen, c'est la perspective d'une saison 100% brestoise ou on pourrait le retrouver vers d'autres cieux? Pour l'instant, il revient, il ferait la préparation comme les autres. Il est sous contrat avec le club. On sait qu'en période de mercato, il n'y a jamais de certitude, il y a plutôt des incertitudes. Et c'est une incertitude pour l'instant. On lui souhaite en tous les cas de... voilà, puis on ne faut pas oublier, hein, on le disait au tout début de ce reportage, quand un joueur étranger arrive, on a vu le cas aussi avec Dari, il faut toujours 2, 3, 4, 5 mois s'adapter. Il y a le problème de la langue, le problème de l'adaptation, un football qui change d'un pays à un autre. Et on le voit avec quel soit le joueur. On l'a bien vu Messi quand il était au Paris Saint-Germain. Tout à fait. Après... Jerry Ronen a été prêté, mais il a fait une bonne saison. Oui, c'est... Donc son adaptation sera plus facile, bien évidemment, cette année qu'elle était l'année dernière, où il avait de la concurrence aussi à son poste. Et puis on reparlera d'autres joueurs qu'on est susceptible de voir en deuxième mi-temps sur ici au stade Guy de Réal à Plouvent. Des joueurs qui sont susceptibles aussi ou d'être prêtés ou voilà. Et puis il y a un joueur qui a une particularité dans ce match, hein, c'est Axel Camblan, puisque il appartient au Stade Brestois et l'an passé il portait les couleurs de la deuxième moitié de la saison il portait les couleurs de Concarneau. Oui, il était dans le camp bleu et maintenant il revient dans le camp rouge, Axel Camblan. Tout à fait. Là par contre c'est l'intervention de Lilian Brassier, là, contre El Koumisti, qui lui donne quand même du fil à retordre à nos deux défenseurs, là. Clairement, pour l'instant, c'est vraiment le poil à gratter dans dans la défense centrale brestoise. Le caillou dans la chaussure. Exactement. Avec Simon Nsana qui s'est fait un peu sécher, là, sur ce contact et le ballon qui a été mis en touche par Pierre Lesmenoui qui va être rendu donc à Concarneau. Alors qu'on vient de franchir la 40e minute. Et c'est reparti avec Brassier justement. Et ça sent la mi-temps parce qu'il y a l'odeur des merguez qui nous arrive au nom. Oui, mais comme on ne fait pas une diffusion en 6G, on ne pourra malheureusement pas faire profiter les gens qui assistent à cette rencontre sur YouTube.
Bon, finalement, Pierre Lesmilou est pas gâté, là. Hein. Non, je crois que les Concarnois ont un contentieux avec lui. Systématiquement, il est la victime des tacles un peu appuyés Relève et il se remet encore. On a vu d'ailleurs, hein, que quand il était blessé, comment il est revenu très rapidement et c'est lui qui a stoppé l'attaque concarnoise sur sa reprise. Allez, c'est reparti. Revenons à des choses un peu plus footballistiques. Oh, le bon. Décidément, c'est un match qui se hache là quand même. Il ouais. Hein, y a quand même beaucoup de. Au basket, on appelle ça un écran mobile, oui, Jackie. Et Dieu sait si tu connais le basket, Ronan. On appelle ça un écran mobile. Mais bon, c'est tout aussi sanctionnable au football. Et là, en l'occurrence, Martin Satriano, là, on a un peu abusé. Satriano, dont on attend beaucoup, Jackie, ici à la pointe de l'attaque brestoise. On peut imaginer que son duo avec Steve Mounier va être fructueux. Ben oui, en tous les cas, Eric Roy l'a évoqué hein, également dans une précédente interview. Et effectivement, il peut tout à fait jouer parce que on connaît les qualités de Steve, le meilleur réalisateur de la tête dans les duels du championnat de Ligue 1. Et quand on sait que Sartino est un joueur de profondeur, ben, effectivement, ça peut être une très bonne complémentarité. Et ça, c'est certainement un des points qui va être sur lequel on va regarder ce début de saison. Il y a aussi Jérémy Leblanc hein, qui est là, hein, qui va très vraiment faire son entrée en deuxième mi-temps. Tout à fait, Jérémy Leblanc qui a fait une super saison. Tout le retour extraordinaire. Avec, j'allais le dire, en particulier. Ouais, ouais. Une deuxième phase de championnat absolument exceptionnelle. Auquel on ne s'attendait pas, et même lui d'ailleurs, entre parenthèses, hein, mais c'est bien. C'est bien, il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans encore, il était au stade de Briochin, et comme quoi. Il y a des bons talents dans la région bretonne. Et le match qui a perdu véritablement de son intensité, de son rythme. Ouais, et puis beaucoup de coups francs, je trouve il y en a beaucoup quand même là. Et ça casse le rythme. Bon, déjà, dans un match amical, il n'y a pas d'enjeu réel, si ce n'est l'envie de bien faire et voire de gagner. Il n'y a pas la pression comme un match classique de championnat. Allez, Hugo Magnetti maintenant qui trouve. Aïe, 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 la passe est un peu longue pour Jerry Ronen. On est encore dans les imprécisions de l'avant-saison, ouais. Jackie, avec. C'est pas pour rien hein, que ces matchs amicaux, on les appelle des matchs de préparation. Mais complètement. On se cherche encore et je pense que Eric Roy. Il est lui aussi dans la recherche de son, oui, de puis, son 11 alors, idéal, quelque il nous, part. Il nous disait, Ronan, avant le match, qu'il était satisfait de Dinard. Il dit que d'abord, ils sont dans de très, très bonnes conditions de travail, dans un endroit magnifique. D'ailleurs, c'est la troisième année que les Brestois vont là-bas. Et c'est un lieu prisé aussi par plusieurs autres équipes de Ligue 1. Allez, Rennes y était également. Tout à fait, avec... ce centre de Romain Del Castillo qui ne trouve pas preneur. Uronen qui remet derrière pour Brassier. Et ça va être très bientôt le coup de sifflet. Alors, je ne sais pas si l'arbitre dans ce match amical va décompter les arrêts de jeu ou pas. Allez, attention, il y a eu la blessure de Pierre Lesmélou. Cette remise en arrière là, des Concarnois. Pierre Lesmélou qui retrouve Romain Del Castillo. Romain Del Castillo qui redouble avec ce magnifique centre. Ah oui, la superbe remise. Dommage. Derrière. Ah, c'était parfaitement joué de la part de Steve Mounier. Steve Mounier qui se retrouve face au gardien, mais un peu court sur cette action, l'avant-centre brestois. Il a été taclé, s'il était tombé là, à mon avis. Thank you.
Allez, ça s'emballe un peu en cette fin de première mi-temps. On est dans le temps additionnel. Hein. Avec. Il est sorti. Le ballon qui est sorti. Ah, ils vont sans doute se siffler, là, non ? Ah ben non, donc ils jouent les arrêts de jeu comme un match normal, voilà. Et là, allez, à nouveau le Stade Brestois pour ce qui sera probablement une des dernières attaques de cette première période. Mais le ballon contré par Concarneau et Lilian Brassier qui doit remettre très loin derrière vers Marco Bizot. Bizot qui retrouve Lesmelou, Brassier, Uronen avec un nouveau Bizot. Bizot qui a pas eu grand chose à faire en cette première mi-temps. Allez remercier le ballon au fond du filet. Et puis un tir croisé juste à côté de son poteau. Jackie, sans faire d'analyse de technicien de haut niveau, quelque part, on a du mal à voir le milieu de terrain brestois. On a des actions qui passent directement des défenseurs aux attaquants. Pour l'instant, on a du mal à... Les départs de Franco Nora, Aris Belkebla font peut-être encore défaut du côté du milieu de terrain brestois, non ? Voilà, même si Pierre Lesmelou est toujours présent et a toujours ses repères. Mais bon, effectivement, l'équipe a changé, l'équipe change, les joueurs aussi. Et donc, c'est pour ça que ces matchs de préparation, on disait tout à l'heure, sont là pour ça. Voilà, et là, c'est une partie qui est à travailler côté brestois, bien évidemment. Et toujours 1-1, alors que va se terminer cette première période. On rappelle le nom des buteurs, Lilian Brassier à la 12e minute pour Brest, qui avait ouvert la marque sur ce corner tiré par Romain Del Castillo. Une reprise du défenseur brestois au ras du poteau gauche de Plantier. Et égalisation 6 minutes après, signée d'Alexandre Filippono pour Concarneau. Un tir magnifique au ras du poteau. Gauche également de Marco Bizot. Et on est donc sur ce score pour l'instant nul de 1 but partout. L'arbitre ne devrait pas tarder à siffler, là, à mon avis. Jackie, il est pressé d'aller manger une merguez. Oui et non, parce qu'il y aura trop de monde. Attention à cette remise de la tête signée Steve Mounier. Et voilà, la mi-temps. Mi-temps sifflé par Romain Beneteau sur ce score de 1 but partout entre les deux équipes. Un score, ma foi, logique, Jackie, oui. au vu de ce que les deux formations nous ont proposé. On n'a pas vu du grand football. Non, mais enfin après... On est dans un match de préparation. Oui, non, mais voilà, moi, honnêtement, ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a quand même des bonnes choses de chaque côté. Et j'avoue que Concarneau surprend un petit peu parce que... Ils ont eu un début où ils ont joué plus en retrait et après ils ont pris un peu plus confiance en eux, ils ont osé et ça a payé pour eux parce qu'ils ont égalisé, ont été aussi dangereux. Voilà. Hein. Bon, les Brestois peuvent mieux faire, bien évidemment. Mais bon, voilà, hein, c'est pas une mauvaise mi-temps en soi. Il va y avoir beaucoup de mouvements en deuxième mi-temps. Parce qu'en remplaçant, il y a Dari, Camblan, Mbok, Erel, Jonas Martin qu'on attend, le gardien Grégoire Coubert. Voilà, il y a également Camara, Dembélé. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui est Djibril Konté qui arrive de l'équipe B. Tout à fait. Et puis, Jackie, on le mentionne rapidement puisqu'on aura deux joueurs à laisser que l'on devrait apercevoir tout à l'heure. Adrien Lebeau et Souleymane Sebessi. Voilà, on rend l'antenne pour quelques minutes. On va se reposer puisque c'est la pause. Alors peut-être qu'on va avoir un petit résumé maintenant. Pendant cette pause, nous, on va vous laisser tranquille et vous allez découvrir les meilleurs moments de cette première mi-temps ici à Plouvorne où il y a donc match nul un partout entre le Stade Brestois et Concarneau. Voilà, à tout à l'heure pour la deuxième période.
Thank you.
voilà au stade Guy de Réal, ici du côté de Plouvorne, pour suivre ce qui va être la deuxième mi-temps de ce match amical entre le Stade Brestois 29 et l'US Concarneau. Rappelons, Jackie, qu'à la mi-temps, eh bien, c'est sur un score de parité que les deux équipes se sont séparées, puisque le score est actuellement de 1-1 avec ce but de Lilian Brassier à la 12e minute et une égalisation concarnoise signée Alexandre Filippono à la 18e minute. Voilà, alors si vous nous avez suivi le début du match, tout nous excuse encore pour cette interruption de faisceau de 10 minutes. Voilà, ça fait partie des fois des problèmes techniques que l'on rencontre. Mais en tous les cas, si vous êtes relativement nombreux, sinon juste par les messages que l'on reçoit, à nous suivre au niveau de ce match, puisque beaucoup d'entre vous nous ont fait un petit peu râler, et ce qui est légitime, par le match pendant 10 minutes. Donc toutes nos excuses, notamment la deuxième mi-temps, alors que les joueurs commence à faire leur entrée sur le terrain. Et il va y avoir beaucoup de changements. Hein. Ronan, on a vu s'échauffer le nouveau groupe, puisqu'il devrait y avoir 8 changements côté brestois. À minima, parce que effectivement, tu as raison, Jackie, hein, on a vu en tout cas 8 titulaires venir faire un complément physique pendant la mi-temps. Ce qu'on appelle des suicides. Exactement. Ce qu'on appelle des suicides au basket. Non, voilà. on va avoir beaucoup de changements, beaucoup de rotations du côté du Stade Brestois 29, avec à commencer par le nouveau gardien, le nouveau numéro 2, hein, derrière Marco Bizot, puisque Grégoire Couder va faire ses débuts ici à Plouvorne. Grégoire Couder qui était le gardien, on va dire numéro 3. Qui était le numéro 3 l'année dernière. Qui là, numéro 2, il a prolongé jusqu'en 2026. Et remarquable état d'esprit de ce garçon, parce que c'est pas facile hein, de gardien 3 et de quasiment peu jouer. Mais il fait preuve d'un très très bon état d'esprit. Et ça, c'est à souligner. Un jeune gardien hein, de 24 ans. Alors on sait, hein, Jackie, que les gardiens tardent à arriver à maturité. En général, c'est aux alentours de la trentaine. On le voit là à l'écran, Grégoire Couder, qui va faire vérifier ses crampons. Il a la chance d'avoir Madame l'arbitre. Voilà, par Mara Pansard qui va également vérifier le reste des crampons. Oh, les joueurs, ils vont volontiers, hein, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, dans cette équipe brestoise, eh bien, une équipe brestoise, on l'a dit et on le redit franchement. Alors, on a vu Madi Camara, oui. Axel Camblan. Kenny Lala, en revanche, est sur le terrain puisque c'est même lui qui a pris le brassard de capitaine. Achraf Dari qui fait son entrée en jeu. Voilà, on les voit arriver les uns après les autres. Voilà. Achraf Dari, hein, n'oublions pas qu'il a brillé avec le Maroc en Coupe du Monde, puisqu'il était titulaire. Hein, il a joué contre la France. Et quel parcours remarquable de cette équipe marocaine qui a surpris le monde entier. Tout à fait. Et qui continue d'ailleurs de briller là actuellement dans les éliminatoires. Alors on voit également arriver Christophe Herel. Christophe Herel. Qui pourrait lui aussi être prêté, partir sous d'autres cieux. Voilà, on suivra ça avec intérêt, sans nul doute. Et là, le joueur qu'on voit au bord du terrain, c'est donc Adrien Lebeau. Voilà, tout à fait, donc qui est à l'essai, qui a fait la passe décisive sur le but à Avranches la semaine dernière. Et sur le côté ici, avec des cheveux un petit peu décolorés, si vous l'avez peut-être reconnu, c'est Kader Dembélé. Ah, on a un petit coup de vent. Qui ont balayé nos fiches. C'est parti pour la deuxième mi-temps entre Brest et Concarneau. On le rappelle, score de 1-1 entre les deux équipes. Et le Stade Brestois totalement remanié à une exception près, puisque seul Kenny Lala est resté sur le terrain pour cette deuxième période côté Brestois. Ainsi, qu'il y a un petit crachin qui tombe. Alors, je sais pas, on a des téléphones qui nous doivent nous regarder un petit peu partout. Ils doivent se dire, ah bon ? On a une petite température de combien ? 18 degrés, Ronan ? Oh, hein ? Température estivale, Jackie, ici pour Plouvorne. Avec, on en parlait tout à l'heure, Axel Camblan qui a fait son entrée sur le côté gauche de l'attaque brestoise. Axel Camblan qui avait joué la deuxième partie de saison l'année dernière du côté de Concarneau.
Et fort bien réussi d'ailleurs, hein, puisque il est monté avec eux. Et, attention, et... cette remise de Kenny Lala pour Grégoire Couder. Ouh là là, ça. Ndiaye Mbok qui prend des risques un peu derrière. Dembélé. Carmoko Dembélé. Allez, reprise au milieu de terrain. Achraf Dari pour Kenny Lala. Le Stade Brestois qui a l'air d'être revenu avec des intentions un peu plus tranchées, Jackie. Oui, complètement. Après, bon, c'est des nouveaux joueurs aussi qui arrivent, qui sont frais. Et les joueurs qui sont là, pour beaucoup, ne sont peut-être pas des titulaires en puissance. C'est donc à eux de montrer quelque chose. Et effectivement, ben, ils ont mis temps pour montrer. Avec ce débordement de Dembélé côté droit, qui slalom et qui se fait un peu cravacher, mais le ballon est sorti et ça sera donc un 6 mètres pour Concarneau. Dembélé qui a ce petit crochet un peu déroutant là. Ah, complètement. C'est un joueur aussi qui a eu des difficultés l'an passé. D'abord, l'adaptation, hein, toujours la même chose pour un étranger. Et pourtant, quand il était en Écosse, beaucoup de clubs étaient dessus, donnent beaucoup d'espoir. Donc on attend aussi des révélations de sa part cette année. Le terrain devient un petit peu glissant parce qu'il était arrosé à la mi-temps. Il y a ce petit crachin qui vient d'arriver. Là, c'est pas terrain sec d'été, quoi. Mais on note quand même une qualité de pelouse absolument remarquable. Encore une fois, un travail de professionnel de la part du club de l'avant-garde de Plouvorne, qui est en avant-garde effectivement sur les matchs amicaux. Avec Adrien Lebeau, justement, le joueur qui est à l'essai, Christophe Herel, qui repasse derrière avec Achraf Dari. Christophe Herel, qui a eu aussi, comme d'autres de l'équipe l'année dernière, pas mal de pépins physiques. Et qui se rattrape bien là. Voilà. Madi Camara. Madi Camara. Qui a perdu un peu de cheveux pendant les vacances. L'ouverture, la superbe ouverture de Kenny Lala pour Axel Camblan. Axel Camblan côté gauche qui tente de déborder son vis-à-vis, qui rejoue derrière avec Christophe Herel qui allume. Et un très beau tir de Christophe Herel. Qui a failli surprendre le gardien concarnois. De quoi tromper l'ennemi. Et ce numéro 34, Jackie, que l'on découvre, c'est Souleyman Sebessi, un joueur qui est à l'essai également, au même titre qu'Adrien Lebeau. Ça, c'est important. Hein, parfois, quand on essaye comme ça, des joueurs, peut y avoir des surprises. On peut parler de Jérémy Lodoron, hein, quand il est arrivé du Stade Briochin début de la saison, il y a 2 ans maintenant. Ben, je ne suis pas sûr que beaucoup auraient parié, comme on dit, des copecs sur le nombre de buts qu'il a marqué en poule retour. Alors, les copecs étant une monnaie beaucoup plus à l'est, Jackie, oui. Ici, tu sais qu'on utilise le Gwenec. Je voulais dire les Gwenec. Voilà. Tu m'avais compris. Voilà, le Gwenec. Allez, les. Djibril Conté qui n'a pas pu s'emparer du ballon. Ouais, tu veux compter, hein, donc, un jeune joueur de l'équipe B hein, voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Oui, très prometteur. Donc Erigois voulait effectivement l'intégrer dans le groupe pro. Il était aussi bien évidemment présent au stage de Dinard. De toute façon, les Brestois arrivent là de Dinard. Oui. Ils sont allés l'autre jour, ils ont fait le match à Avranches, sont restés là-bas à l'hôtel à Dinard et dans des très très bonnes conditions. Et ils sont rentrés hier soir à Brest. Allez, l'ouverture de Concarneau ici sur le côté gauche est bien repris par Adrien Lebeau avec Achraf Dari. «
même si on a changé les éléments, on sent quand même une certaine sérénité dans la défense brestoise, oui, Jackie. C'est ce que je découvre également, tout à fait. Allez, Christophe Herrel, pas de panique pour Adrien Lebeau. Très beau crochet du joueur. Un long ballon devant. Que l'on découvre et qui... Eh oui. Superbe ouverture pour Kenny Lala. Axel Camblan. Ah, malheureusement, c'est repris par Thibaut Cinquin du côté de Concarneau. Avec, allez, cette à nouveau, Mehdi Camara, pardon. Là, ça construit, là. Le ballon circule bien, là, dans le milieu offensif brestois. Et là, Mehdi Camara qui s'est fait un peu secouer, qui réclamait une faute, mais... C'est dans l'autre sens. Oui, sur le retour, c'est Christophe Herrel qui a un peu accroché le Concarnois, mais c'est vrai qu'on sent un peu plus de consistance dans le jeu brestois, avec notamment un milieu de terrain plus constructif. Oui, une circulation de ballon qui est pas mal aussi du tout. Voilà. Plus de construction de jeu avec le milieu de terrain de cette deuxième mi-temps. Voilà, très bon lancement. Et ici, donc à Plouvant. De Plouvant, puisqu'on va dire que c'est quasiment à guichet fermé. Voilà qui fera plaisir à Maxime Guillaume, le président de ce co-président club. De l'avant-garde de Plouvent, et qui a parfaitement organisé cet événement. Attention, Grégoire Couder qui est pressé sur cette montée de l'attaque concarnoise. Et c'est la première fois que Plouvent organise un match amical avec Brest. Hein. Tout à fait. Et je me le souvenir ici en 2003. D'une Coupe de France, c'était Sylvain Matriciano qui était l'entraîneur. Ouais, c'était en Ligue 2, ça allait. Mais ils ont éliminé Brest, tout simplement. Allez, Axel Camblan, non, qui est signalé hors jeu. Et pourtant, la balle en profondeur de Christophe Herrel était particulièrement bien inspirée. Jackie, en 2003. Une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et alors, une autre époque peut-être connue, c'est que Concarneau, oui, du temps de Jean-Marc Furlan, avait éliminé Brest en Coupe de France en 32e, si je me souviens bien. Brest menait 2-0 à 20 minutes de la fin, et la 90e, 3-2 pour l'US Concarnoise. C'est ce qu'on appelle la claque dans la figure. En tout cas, cette équipe concarnoise, elle est plutôt séduisante. Ah, et oui. Je pense qu'elle va en embêter plus d'un en Ligue 2 la saison prochaine. Enfin, cette saison, puisque cette fois, la saison, elle est lancée. Oui. Mais clairement, c'est une équipe dont l'assise footballistique est évidente. Le fond de jeu est évident. Et c'est vrai que ça va certainement être un poil à gratter pour pas mal d'équipes. C'est une partie de l'équipe qui est montée. Hein, tout à fait. Donc, on le disait tout à l'heure, hein, Concarneau qui attend au moins 4 à 6 recrues. Voilà, donc l'équipe ne présentera pas le même visage, parce que la Ligue 2 est quand même compliquée. Oui, on a souvent... La Ligue 2 dont on ne sait pas encore la composition définitive d'ailleurs. Oui, Sochaux a été relégué avec Jean-Claude Plessis, l'ex-président de l'Est Brestoise, et de Sochaux qui essaye avec... Allez, attention, ce débordement là sur l'aile de Concarneau signé Axel Hury qui ne trouve pas preneur, mais le ballon a été détourné par un Brestois et Concarneau conserve la remise en touche.
Oui, tu disais, Jackie, il y a un projet de reprise Sochaux, de Sochaux avec le Jean-Claude Plessis et le petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils de M. Jean-Pierre Peugeot. Attention, cette balle est bien oui, bonne, très bonne sortie. Il ne faut pas oublier que Sochaux est le club historique de Peugeot, d'ailleurs l'ancien stade Bonnet. Beaucoup d'exploits en Coupe d'Europe. Joueur de l'époque. Et effectivement, comment dirais-je, le voilà. Oui, c'est, clairement, on va le dire, c'est un monument, c'est un monument du football français. Et c'est vrai que c'est triste de voir disparaître ces clubs les uns après les autres. Il y en a un autre, hein, Nancy. Alors, simple constatation, des clubs qui ont été rachetés par des fonds de pension étrangers et qui tombent, disparaissent, voilà. Et leurs historiques présidents ou groupes ne sont plus là. Voilà, c'est la remarque aussi que l'on peut se faire. Et toujours un but partout ici à Plouvorne entre le Stade Brestois et l'US Concarneau. En dépit de cet échange assez musclé au milieu de terrain entre les deux équipes. Et à nouveau Axel Hurry en action du côté de l'US Concarneau. Bien repris par Madi Camara. Kenny Lala qui porte donc le brassard de capitaine puisque, on l'a signalé, hein, ce sont pas moins de 10 changements qui sont intervenus à la mi-temps du côté du Stade Brestois et notamment celui du capitaine Brendan Chardonnay. Alors ce sont des changements de préparation. Puis, hein. Il y a aussi Pierre Selaminou, Lesmelou, pendant qu'on aurait pu être capitaine. Tout à fait. Attention à cette balle en profondeur de Dembélé pour Djibril Konté, mais... Conté qui ne parvient pas à retrouver le ballon et à venir inquiéter le gardien. Oui, Lesmelou qui s'est fait un peu secouer. La seule interrogation qu'on a, Jackie, c'est sur Jérémy Le Doiron que l'on a vu dans le groupe, qui était en tenue et qui n'est pas entré en jeu. Oui. Probablement une petite inquiétude de dernière minute pour l'attaquant brestois. Oui, peut-être à voir ou peut-être un choix aussi. Du coach. Il y aura d'ailleurs très probablement d'autres changements au cours de cette deuxième mi-temps. Avec ici donc Adrien Lebeau, cet arrière latéral qui est à l'essai, qui ma foi fait plutôt une bonne impression depuis le début de la deuxième période. Avec son numéro 32. Non, finalement, il n'y va pas, Christophe Ferrel, malgré la sollicitation de Lebeau. Allez, renversement à Shrabdari pour Madi Camara. Et on voit beaucoup de remplaçants, là, Concarneau, du joueur de Concarneau s'échauffer derrière le but. Hein. Donc, signe qu'il y aura probablement plusieurs changements côté Concarnois. Le Mignon qui avait plutôt opté pour un changement à l'heure de jeu plutôt qu'à la mi-temps. C'est aussi souvent le cas, effectivement, dans les matchs amicaux de début de saison, à la 60e, de changer plusieurs joueurs. Ben, on y arrive. Eh bien, Jackie, tu vois, les grands esprits se rencontrent puisque le. Voilà, changement du côté de Concarneau avec la sortie de Simon Ensana. Là, j'ai vu Greg Pello se lever, je croyais qu'il allait rentrer. Le speaker attitré, mais non, il se reçoit sur le banc. Oui, fort heureusement. Il a besoin encore de reprendre un peu de forme physique, notre ami Greg. Oui. Voilà. Alors, nouvelle faute sanctionnée par l'arbitre, monsieur Beneteau. Nouvelle faute en faveur du Stade Brestois et toujours un but partout. Et là, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres changements côté Brestois. Côté Brestois, il y a Lilian Brassier qui est retourné à l'échauffement. Lilian Brassier, on le rappelle, il a joué la première période et c'est même lui qui a ouvert le score pour le Stade Brestois est marqué l'unique but brestois pour l'instant dans cette partie. Lilian Brassier qui, selon toute logique, devrait rentrer
sur le côté, probablement à la place de Kenny Lala pour équilibrer peut-être les temps de jeu. Allez, ah, oh, la belle. Et Souleymane Sebessi qui vient chuter. Non, voilà. C'est le gardien de Cancano. Fait une très belle sortie et qui lui prend le ballon dans les pieds. Très, très bonne sortie de Maxime Patier. Et c'est un corner d'ailleurs. C'est un corner sur cette balle en profondeur dont on a pu profiter Souleymane Sebessi. Allez, corner tiré par Adrien Lebeau au premier poteau et repoussé par Concarneau. Le match a perdu quand même pas mal de son intensité. Il y a eu une... Les 10 premières minutes, là où ça jouait plus rapidement et collectivement. Et là, ça c'est, tout c'est rentré un peu dans le rang, hein. Effectivement. C'est rentré dans le rang. Allez, Axel Uri qui va rejouer derrière. Avec Guillaume Janez. Guillaume Janez, le monument, le capitaine hein, de l'US Concarnoise. Et effectivement, on a replongé dans ce faux rythme du côté des deux équipes. Attention à cette attaque menée par Concarneau. Concarneau sur l'aile droite. Un centre bien repoussé par Christophe Herrel. Et le contrôle manqué d'Axel Camblan. Axel Camblan qui a signé l'année dernière son contrat professionnel et qui est sous contrat avec le Stade Brestois jusqu'en 2025. Tout à fait. Issu d'une famille de footballeurs très connus dans la région brestoise et aux alentours. Son grand-oncle, c'était Daniel Camblan, qui faisait partie de l'équipe brestoise des années 65-70 avec Delorme, Daniel, Belin, Tréguer, Tonnard et toute cette bande. Voilà, exactement. Qui était un défenseur hein, axial, le Daniel Camblan. Alors, décédé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Alors il a peut-être pris de son tonton Philippe, qui oui, lui aussi. Était un attaquant, un pur, un buteur. Et on lui fait un petit coucou à Philippe Camblan. Exactement. Attention sur le côté brestois, très beau travail d'Adrien Lebeau, oui. Qui fait vraiment une excellente impression. Je pense que le Stade brestois qui voulait se... renforcé de ce côté-là, eh bien, a peut-être trouvé chaussure à son pied avec ce joueur qui est très propre, hein, Jackie. Oui, tout à fait. Attention. Oh là ! Oh, magnifique tir de Faïd El Koumisti, mais au-dessus de la cage. Ouais, qui n'a pas lésiné sur la puissance. Très très bon joueur. Eh bien, on en est toujours à un but partout, mon cher Jackie. Et puis, oui, pas beaucoup d'occasions à part celle-ci. Voilà. Hein, on est quand même à la 65e minute de jeu. Et forcé qu'on a de constater qu'on n'a pas eu le loisir de s'enthousiasmer beaucoup. Non. C'est aussi un match amical, mais dans cette bon. Partie. Et ça reste un match amical, de préparation. Bon, voilà. Allez, très, bien, très longue touche de Kenny Lala pour Axel Camblan. Axel Camblan sur le côté bien, gauche. Il part bien, il peut tirer. Alors, oh, joli crochet d'Axel Camblan. Oh, oh quel but. Oh, la but. Waouh. On l'avait senti venir, cette action de l'ex-Concarnois de la saison dernière. Eh bien, dites-moi. Très beau crochet, là. Franchement, ça, c'est...
dont on évoquait l'entourage footballistique et les gènes probablement, eh bien, il nous a donné raison sur cette action absolument somptueuse. Il va y avoir un changement. Avec, Jackie, une super balle en profondeur de Kenny Lala sur cette... Complètement. Qui a vraiment propulsé Axel Camblanc sur les rails du but. Eh bien, vous voyez... Je lis dans le marc de café, mon cher Jackie, puisque c'est bien Kenny Lala qui sort et qui est remplacé par Lilian Brassier. Tout à fait. Qui enfile par là même le brassard de capitaine. Donc 2-1 ici à la 66e minute de jeu. 2-1 pour le Stade Brestois. Complètement. Eh bien, vous voyez, on disait juste avant qu'on avait perdu un peu le fil et puis qu'on n'avait pas de quoi s'enthousiasmer beaucoup. Eh bien, on a eu une action somptueuse de Concarneau et derrière ce but magnifique d'Axel Camblanc pour le Stade Brestois qui mène donc désormais 2-1. Avec donc une défense new look pour Brest, avec Lilian Brassier d'un côté, Adrien Lebeau de l'autre, et puis Erel et Dari dans l'axe. Et en face, c'est Guillaume Jeannès qui essaye de se dépêtrer du pressing brestois. Et Dari là, qui est Oui, Achraf Dari qui récupère ce ballon. Oh, il a pris un coup. Il a pris un coup par derrière. Oui. Elle n'était pas complètement involontaire. Alors Monsieur Beneteau qui laisse le changement s'opérer avec la sortie donc de Axel Uri qui a été très actif pendant cette grosse heure de jeu et l'entrée sur le terrain. D'un nouveau Concarnois dont je n'ai pas vu le numéro. Voilà, on... Et c'est Amadou Samoura. Ah, la nouvelle recrue. Voilà. Amadou Samoura qui vient d'entrer en jeu. Amadou Samoura, c'est un jeune joueur de 19 ans qui est issu du. Très renommé centre de formation du Havre, mon cher Jackie. Complètement. Le Havre, dont on salue la remontée en Ligue 1 et qui sera le deuxième adversaire du Stade Brestois tout à fait. Pour le début de la saison après le Brest-Lens. Brest ira le 20 août voilà. Du côté du Havre. Quand ce jour-là, Concarneau recevra Caen au Stade Francis Leblé le samedi à 19h. Et ben voilà, on est complet. Exactement. sur le programme. On rappelle que le Stade Brestois jouera trois autres matchs de préparation. Mercredi prochain à Dinan contre le Stade Rennais. Samedi prochain à Guingamp contre l'En Avant de Guingamp. Et enfin le samedi 5 août au Stade Francis Leblé contre l'équipe italienne de Cagliari. Voilà, un Stade Brestois qui s'est trouvé un arrière latéral inspiré avec Adrien Lebeau. Qui a lancé Karamoko Dembélé sur le côté droit. Honnêtement, Jackie, ce Adrien Lebeau, c'est une bonne pioche. Hein. Oui. C'est définitivement une bonne pioche. Achraf Dari. Ah, bel échange. Hein. Tout à fait. Stoppé par le
le grand Guillaume Genèse. Allez, la touche brestoise. Avec Sebessi qui essayait de rejouer avec Dembélé. Mais le ballon intercepté par Concarneau. Lancement dans l'axe et très beau retour avec ce tacle glissé d'Achraf Dari. Et reçu de Christophe Herrel. Dari dont l'efficacité n'a d'égal que l'élégance sur le terrain, mon cher Jackie. Complètement. Achraf Dari qui est arrivé il y a un an du WAC de Casablanca. Et qui venait, au moment où il est arrivé à Brest, de connaître sa première sélection en équipe du Maroc. Et qui lui a permis de jouer cette super coupe du monde marocaine. Tout à fait. Allez, Lilian Brassier sur le côté gauche pour Brest. Avec Axel Camblan, Madi Camara. Là, par contre, il n'y a personne de ce côté-là. Hein. Non. Et Jackie, autre absent du côté brestois, et pourtant on l'a vu, il est dans le groupe et il est sur le banc, c'est Jonas Martin, la recrue lilloise. Oui, mais attention, hein, il n'est arrivé que mercredi ou jeudi dernier à Dinard. Donc il a fait peu d'entraînement, peu de jeux également. Et on peut comprendre pour l'instant que Eric Roy peut-être le fera entrer peut-être dans le dernier quart d'heure. On va bien voir, mais on aura le temps de toute façon, largement le temps. Il reste 3 matchs de préparation. On sait que de toute manière, c'est un joueur sur lequel Brest va pouvoir compter cette saison avec ses expériences qu'il a eues dans les clubs précédents comme Montpellier, Rennes. Voilà. Oui, il est en phase de réathlétisation et donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être le voir quelques minutes, mais ça sera plutôt lors des prochaines rencontres. Attention à ce pressing concarnois pour Grégoire Couder. Et Concarneau qui récupère le ballon, ce centre. Oh, joli. Heureusement que Greg Couder était. Il a fait marquer un beau but de la tête, là. Greg Couder, qui heureusement est très grand. Oui. Non, mais la tête était c'est vrai que posée, vraiment. Si on dans les buts, pas comme moi, on aurait pris le but, hein, Ronan. Oui, c'est certain. C'est certain. Voilà, trêve de plaisanterie, on repart. Allez, un gros quart d'heure à jouer dans cette partie que le stade de Brestois mène depuis une dizaine de minutes. On l'a pas parlé, mais c'est Mbok là, qui vient de redonner le ballon en retrait, qui revient d'un prêt à Caen. On se souvient, qui a été plusieurs fois titulaire, voilà, et qui a acquis une expérience supplémentaire à Caen. Qui avait donc été prêté par le Stade Brestois, et c'est légitimement son retour. Qui a besoin de reprendre aussi un peu confiance en lui. Tout à fait. Andja Mbok, un Tizèf pur beurre. Oui. Et pur produit du centre de formation du Stade Brestois. Comme sa sœur. Comme Greg Mbok, tout à fait. Alors, on voit Achraf Dari se diriger vers le banc de touche. Changement à Concarneau également. Un double changement à Concarneau. Double ou triple. Il faut qu'on suive là les. Un petit peu. Oui, un triple changement. Tu as raison, Jackie. Achraf Dari est allé chercher à se rafraîchir. Absolument. Il est vrai que si l'on ne frise pas la canicule, comme tu l'as précisé en première période, Jackie, eh bien, le fait de disputer cette rencontre dans une température avoisinant les 12 les 20 degrés, eh bien, ça donne soif. Voilà.
et nouveau dégagement plein d'assurance de Grégoire Coudert qui vraiment s'assume hein, dans ce rôle de doublure de Marco Bizotte. Complètement. Allez, pressing brestois là. Oh, très beau. Passement de jambes. Ah oui, magnifique. Passement de jambes signé Amadou Samoura. Ah ouais, qui montre sa technique. Hein, ouais, tout à fait. Pas vilain du tout. Dembélé. Et Dembélé dans ses œuvres, pareil. Ah oui, ouais, mais voilà. Là, il s'est pris. Là, franchement, il s'est pris un bon coup. Et bon, je crois que l'arbitre pourrait mettre un carton. Ah ben, il ne l'a pas mis pour l'instant, mais. Ah ben non seulement il ne l'a pas mis, Jackie, mais en plus, il n'a pas sifflé faute. Ouais. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, je crois que Dembélé le lui dit en français ou en anglais, mais lui le lui. Camara, hein. Tout à fait. T'as de la faute sur Dembélé ? Non, puisque non. On est revenu au direct, Jackie, avec Concarneau qui repart à l'attaque. Ouf. Avec le Stade Brestois qui, Jackie, tu me confirmeras, mais évolue résolument en 4-3-3. Oui, c'est oui, effectivement. Bon, de toute façon, là aussi, hein, sur les matchs amicaux, c'est l'occasion pour le coach, ou tous les coachs en règle générale, de tester différentes formules. Voilà, hein, puis des nouveaux joueurs, des anciens qui sont partis. Faut se chercher un petit peu et faut être prêt pour le début du championnat. Le début du championnat qui offre des grosses équipes sur les 5-6 premiers matchs, par le Havre qui lui monte de Ligue 2. Attention Jackie à cette nouvelle percée d'Axel Camblan. Ouh là là, qui se fait sécher proprement à l'entrée de la surface par l'un de ses anciens coéquipiers. Et ça va offrir un très beau coup franc. Il a pris un petit coup, Axel, mais bon, ça n'a pas l'air bien méchant. Ah, c'est Andjé Mbok qui a pris le ballon. Oui, il a une très bonne frappe de loin. Il avait marqué un très beau but de 25 mètres en pleine lucarne sur un match à Brest. Ah, il calcule bien comment il va tirer Yanga. Allez, c'est parti. Yanga Mbok. Oh, très beau. Oh, oui. Magnifique. Et voilà. Hein. Très beau coup franc. Voilà, hein, il a un très très bon coup de pied. Tout à fait. Et non moins bel arrêt de Maxime. Ça nous met un peu de. Ah oui, ça s'anime un petit peu. Oui, on arrive aussi à la 80e minute. Hein. Tranquillement. Tranquillement. Et toujours ce petit crachin qui balaye un peu le terrain. Mais oui. Oh là. Alors, attention, oh là là, la mésentente derrière. Ouais, avec. Ouais. Allez, il peut tirer. Oh, joli. Oh, le super barré. Ouais, super barré sur ce tir de Djibril Conté. Qui s'était montré très opportuniste, mais qui n'a pas réussi à. Une triple, tant qu'à faire. Avec, c'était une récupération de Souleymane Sebessi, ce joueur qui est à l'essai également. Allez, corner pour Brest, hein, au premier poteau. Oh, là. Il a essayé de nous faire une mâche d'air. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas HDR. Attention, ce nouveau tir. Oh, joli. Hop là. Il a failli rentrer. Ah oui. Allez, non, Achraf Dari qui joue les avant-centres. Hein. Il avait marqué en Coupe du Monde.
On est à peu près de la même position avec le Maroc. Allez, Dembélé qui joue avec Madi Camara. Le beau, un centre. Ah oui. Pour la tête de Djibril Konté, ben on a une... Ah ben on se plaignait pas, mais on disait que le match avait perdu une intensité. Et ben du coup, ils ont... Dans le moment... Patier. Ah mais l'arrêt de Patier est somptueux. Ah oui, parce qu'on la voit partir au fond, celle-là. Hein. Allez, Dembélé qui récupère encore le ballon sur le côté droit. Mais c'est Concarneau qui repart à l'attaque avec Thibaut Cinquin qui retrouve son milieu de terrain. Ah, on a eu une belle séquence bressoise avec plusieurs actions et notamment deux actions pour Djibril Konté et deux actions pour Achraf Dari, hein, Jackie. Complètement. À la surprise générale. Oui et non, parce que ça fait partie aussi du jeu et des options. Hein. Quand un attaquant monte... On a vu Bandin Chardonnay a marqué des buts également. Et Axel Camblanc qui a remis le turbo côté gauche pour un nouveau raid à l'entrée de la surface de Concarneau. Oh, le magnifique. Oh, alors là, bon, il s'est un peu fait découper. Ouais, alors, par Maxime Etoin, mais non. Alors, on n'a pas la VAR ici. Déjà, hein, on vous offre l'image avec une seule caméra et l'image de Richard Cos. Et c'est vrai que voilà, ce sont des moyens limités, mais difficile d'avoir une autre vue, bien évidemment, parce qu'on n'a pas les moyens techniques pour le faire. Mais là, c'était quand même tendance. Ouais, hein, cet écartement du bras là sur le beau, bon, même si ce n'était pas une faute volontaire ou litigieuse, mais bon. Bon, en tout cas, ça n'a pas été sifflé. Et donc, on en reste pour l'instant sur ce score de buts à 1, toujours, en faveur du Stade Brestois. Et on rappelle que c'est Axel Camblanc qui donné l'avantage il y a une douzaine de minutes maintenant au Stade Brestois. Le Stade Brestois qui est maintenant arc-bouté dans ses 18 mètres, mais un dégagement lointain de Greg Couder. Un peu trop loin pour que Djibril puisse prendre ce ballon. Encore un joli geste. Oula. Ah, il est... RL l'a écarté un peu du bras là. Hein. Tout à fait. Il était juste devant nous. Mais en tout cas, il est intenable. Oui. Ce jeune. Ce jeune Amadou Samoura là. Il a du potentiel. Je pense que c'est une bonne recrue ça pour Concarneau. On rappelle, il n'a que 19 ans, hein, Jackie. Oui. Et Lilian Brassier qui a fait un peu le ménage et qui relance. Oh, le gardien! Magnifique. Ouh là là. Sortie de... Ah, fallait oser. Hein. Ah oui, mais je crois qu'il n'avait pas trop le choix parce que Djibril Konté. Non, mais complètement. Mais il fallait oser. Était quand même. Il fait la très bonne sortie. Bon, très beau match hein, de ouais. Maxime Patier. Hein. Oui, tout à fait. Oh, pff. Mais alors le ballon est passé au ras de la tête de Richard Cos là-haut et de notre caméra. On n'en a qu'une, laissez-la nous. Le ballon du match offert par Sébastopol Automobile. Comme on disait dans le temps, à la mémoire de René Guillou. Voilà, exactement. Les vrais savent. Absolument. Allez, il reste une poignée de minutes à jouer dans cette partie. Exactement. Jackie, avec toujours Concarneau qui essaye de réduire la marque et d'égaliser pour finir ce match sur une... Et on l'a vu en première mi-temps, hein, l'arbitre a parfaitement respecté les arrêts de jeu. Attention, un nouveau débordement.
Ah, joli retour d'Adrien Lebeau pour un corner en faveur de Concarneau. Mais que ce diable de Samoura nous aura mis le feu en deuxième mi-temps. Oui, complètement. Voilà, corner pour Concarneau. Probablement l'une des dernières actions de ce match. Et Concarneau qui va essayer d'arracher un troisième match nul en trois matchs amicaux. Absolument. Après le 3-3 et le 1-1, et ben, va pour un 2-2, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que vont chercher les Concarnois sur ce coup de pied de coin. Alors, que se passe-t-il? Monsieur l'arbitre qui vient faire un peu la police au cœur des 18 mètres. Voilà, on va pouvoir jouer le corner. 'est-ce que là encore il y a eu du petit bois. Oui. Avec Dembélé. Oui, complètement, mais bon. Voilà, il y a un centre qui va sortir en 6 mètres pour Grégoire Coudert. Oui, une action un peu confuse, hein, Jackie. Oui, complètement. Bon, on arrive aussi en fin de match. Et puis, en match préparation comme ça, les joueurs ne sont pas encore dans le rythme. Donc, dans les dernières minutes, dernièrement, il y a de la fatigue physique, même s'il y a eu plusieurs changements. Pour que les joueurs digèrent aussi tous les entraînements qui ont repris. Et Dieu sait si le travail physique est très important dans ces semaines de préparation. Allez, c'est Concarneau qui est toujours à la relance. Et un gros paquet envoyé par Grégoire Coudert pour Djibril Conté. Ouf. Et Djibril Conté. Bien joué là. Là, il n'y a pas de faute. Voilà. Un retour défensif efficace. Viril, mais efficace. Viril, absolument, comme dirait Jackie. Mais efficace des Concarnois. Non, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute du tout de M-Box sur ce retour. Oh là, attention. Il est en position. Non, c'est. Brassier couvre bien. Oh. Et alors, il fait un petit geste de mauvaise humeur, Lilian. Parce qu'il y a même peut-être un peu. Qui est sanctionné, hein, tout de suite. Tout à fait. N'a pas hésité. Et il donne coup franc en faveur du Stade Brestois. Et on rentre dans la dernière minute du temps réglementaire. Attention, cette balle en profondeur sur le côté. C'est pour Ashraf Dari, ça. Tout à fait, avec une maîtrise. Ashraf m'a l'air bien. C'est une bonne chose. C'est un joueur qui a aussi besoin de reprendre confiance en lui parce qu'il n'a pas été titulaire la saison dernière. Et là vraiment, il nous signe une deuxième mi-temps absolument remarquable. Oui, hein. Oui, mais c'est pour ça que je le souligne parce que. Attention. C'est un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Jeune joueur de 24 ans. Et nouveau tacle efficace de Lilian Brassier. Mais le ballon revient dans les pieds Concarnois pour. Ah oui. Allez. Un Brassier, dommage. Et un bon retour d'Axel Camblan. Oui. Pour venir aider Brassier sur. Il a servi ce retour d'Axel Camblan. Tout à fait. Et touche en faveur de Concarneau. Bon, on sent la fin de match, Jackie, clairement. Oui, c'est normal. Tout le monde baisse un peu de pied on là. On est dans les arrêts de jeu. Ouais, tout à fait.
bon, sans faire de bilan un peu prématuré, cette rencontre aura permis de voir que bon, oui. Le Stade Brestois prend ses marques tout doucement. Oui, mais il y a des enseignements intéressants. Voilà, on est en phase de préparation, mais il y a des choses intéressantes qui ont été vues. Complètement. Voilà. Et notamment Grégoire Couder, qui fait partie des satisfactions de cette rencontre. Hein. Oui. Clairement, hein, le nouveau... La nouvelle doublure de Marco Bizot, hein, qui a vraiment signé une deuxième période convaincante. Et au même titre que quelques remplaçants potentiels, en tout cas, ou prétendant à tel, quelques remplaçants brestois qui ont été vraiment très intéressants hein, dans cette partie, Jackie. Complètement, complètement. Voilà, on voit Dembélé ici qui a trouvé le beau pour... qui retrouve RL et on renverse complètement. Bon, un Stade Brestois qui gère hein, oui, complètement. Résolument ben, son avance. C'est important de psychologiquement même de remporter un match amical, même si l'importance n'est pas énorme. Mais pour les joueurs qui ont besoin de se rassurer, de se reprendre confiance ou se remettre en confiance, eh bien, c'est important de pouvoir gagner comme ça ces matchs de début de saison. Voilà, très belle tête en profondeur de Madi Camara pour Djibril Konté. Mais voilà, c'est la fin du match. Et ben donc, qui s'achève. Sur ce succès du Stade Brestois, 2-1, 2 buts marqués à la 12e minute par Lilian Brassier et à la 66e minute par Axel Camblan. Tandis que Concarneau avait égalisé en première période à la 18e minute par Alexandre Filippono. Un match agréable à suivre, ouais. Jackie, même quelques si on a temps eu fort voilà, par moment. C'est ça. On, et a quelques... eu, on a eu quelques temps morts, on a eu quelques périodes de flottement, mais on a eu aussi de très bonnes périodes actives et offensives. Et ça a donné lieu à quelques satisfactions. On voit ouais. Eric Roy là, ouais, qui félicite ses joueurs. Saluer chacun de ses joueurs, c'est bien. C'est bien parce que voilà, les matchs de préparation, ce n'est pas des fois toujours facile. Pas oublier que plusieurs joueurs jouent un peu déjà leur place pour être dans les titulaires. En tous les cas, Axel Camblan, il est content. Ah oui, il a marqué un superbe but. Il retrouve ses anciens coéquipiers. Il a fait une bonne prestation. Voilà. Il a mis la misère à ses anciens coéquipiers. Ah, ça, oui. Ça, on peut dire qu'il leur a mis le feu pendant 45 complètement. Minutes. Hein. Il a marqué un superbe but. Et je pense que Axel Camblan va certainement... il a marqué des points. Il a marqué, il des, a marqué points des points pour la suite de la saison. Ben surtout que les places sont chères hein, quand devant. Il y a à la fois des joueurs en place. Il revient. Après, bon, il a pris confiance à Concarneau parce qu'il a fait une bonne deuxième partie de saison et participé à la montée historique, pas l'oublier, de Concarneau. En Ligue 2. Saluer le président Jacques Piriou qui fait un travail remarquable depuis des années. Et Jackie, je me permets de t'interrompre parce qu'on voit à l'écran Jonas Martin. Voilà, tout à fait. Que l'on n'a pas pu voir sur le terrain aujourd'hui. Non, bon, un peu court physiquement, mais voilà, Jonas Martin, l'une des, en tous les une cas, des les, deux recrues les brestoises. Fans, hein. Les fans savent qui c'est. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on sait que Jonas Martin fait partie de ces valeurs sûres que le Stade Brestois a su s'attacher pour la saison. Et qui c'est qui a le sac à ballon là derrière? Qui avait le sac à ballon derrière? Regarde. Ah, Bruno Grougy. L'inévitable Bruno Grougy, la légende. Voilà. Avec Yvan Bourgis. Avec voilà, son ancien coéquipier Yvan Bourgis, aujourd'hui préparateur physique de l'équipe, avec la recrue Anthony Grech, dont tu me parlais tout à l'heure, Jacques. Anthony Greg Angelini, qui a été préparateur physique du temps de notre cher sœur Alex, notre regretté Alex Dupont, et qui depuis 6 ans était l'adjoint de Corinne Diacre en équipe de France féminine. Tout à fait. Et qui a 2 mois avec la FFS séparée de, et il avait des regrets quand on parlait avec lui tout à l'heure, pensant aller bien évidemment à la Coupe du Monde. Et 2 mois avant, quand tu as fait partie pendant 6 ans de préparer cette équipe, c'est un peu dur de la feuille de ne se voir repartir. Bon, il y a Hervé Renard qui est arrivé avec son staff, et là aussi c'est légitime. Dans lequel on retrouve Eric Blake, l'ancien préparateur physique qui était à Guingamp du temps de Guy Lacombe. D'accord. Et de Jocelyn Gourvennec. Pour être précis.
tout ça pour dire que le Stade Brest. Démarré par ce tir lointain de Christophe Herrel, bien capté par le portier concarnois. Cette ouverture de Dembélé pour Djibril Konté, qui malheureusement n'avait pu en bénéficier. Et voilà La tentative de Souleymane Sébessi, ce joueur qui est à l'essai. Elle n'est pas facile à dire, celle-là. Le tir somptueux de Fouad El Khamisti, qui malheureusement pour lui, n'a trouvé que l'entrée du bar chez Finn sur la place à Plouvorne. Et on voit le raid solitaire d'Axel Camblant avec ce magnifique tir somptueux. Non mais ce crochet qu'il fait, il attend, il regarde au bon moment et le tir en pleine lucarne, franchement, c'est top. Voilà. Il a d'ailleurs, par respect pour ses anciens coéquipiers, il s'est abstenu d'un débordement de joie excessif. La belle remise en arrière. En toute confiance d'Erel à son gardien. Et le coup franc ici de Hanga Mbok, non moins bien stoppé par Maxime Plantier. Attention à cette remise malencontreuse, ce petit cafouillage de l'arrière-défense concarnoise et notre ami Djibril Konté qui n'arrive pas à tromper Plantier pour la troisième fois. Et là non plus, Achraf Dari qui échoue encore sur le gardien concarnois. Je crois que... Allez, une dernière occasion avec cette tête de Konté qui passe légèrement à côté des buts de Concarneau. Voilà, c'est sur ces images d'une deuxième période très enlevée, Jackie. Oui, puis d'un match malgré tout intéressant, malgré quelques temps morts, mais légitime dans ce genre de match de préparation. En tous les cas, on était très contents. On sait que la semaine dernière, vous étiez 1600 en moyenne à regarder sur YouTube. On verra après les chiffres. Très content de vous avoir avec Ronan commenté ce match. Les images de Rich Sarkoz et une préparation très bien faite de Stéphane Gaouillère. Voilà, des moyens réduits pour vous offrir ce match. Encore désolé pour la petite interruption de quelques minutes de notre rupture de faisceau, et puis, qui nous a fait la gentillesse de revenir. Voilà, et puis une très belle victoire du Stade Brestois, une deuxième victoire en match de préparation pour le Stade Brestois après la première victoire face à Avranches. Et bien, l'aventure continue sur de bons rails pour le Stade Brestois. Voilà. Jackie, à très bientôt pour une nouvelle retransmission. Et voilà, ce sera en avant un Guingamp. Merci Jackie, à très bientôt. Au revoir.